Bonjour, bienvenue à la Maison familiale rurale du Granit, la MFR. Nous sommes situés à Saint-Romain, en Estrie. Donc, je vous invite à me suivre pour découvrir cette école différente. Nous sommes ici actuellement au secrétariat, bureau de la direction, tout près de l'entrée. Maintenant, je vous invite à me suivre pour visiter nos différents locaux. Nous sommes dans la cafétéria ici, où les élèves viennent dîner, souper, collation. Après chaque cours, c'est disponible jusqu'à 9h le soir. Quant au déjeuner, il se prend de l'autre côté. Les élèves ont des tâches ménagères à faire. Également, vous voyez peut-être à l'arrière les bureaux des intervenants. Donc, on a des services de conseillères pédagogiques, de conseillères d'information scolaire et également de psychoéducation et de travail social. Les élèves, pendant les deux semaines, ils sont à l'école, font leur matière académique, donc français, anglais, maths, histoire, sciences, éducation physique, art plastique. Et les élèves de secondaire 4 également ont des cours de formation professionnelle qui se donnent ici. Les groupes sont plus petits que dans une polyvalente, surtout quand on arrive en formation professionnelle où c'est seulement les élèves qui sont dans le même programme qui se retrouvent ensemble. Voici le garage où les élèves font un peu d'entretien, se pratiquent à changer un pneu, faire un changement d'huile, l'entretien de base sur les tracteurs, sur la petite mécanique également. Autant les élèves en formation de production laitière, production équine, production bovine, foresterie. Donc ça se passe ici, en secondaire 4, secondaire 5 principalement. Au fond, on a des postes de soudure. Les jeunes vont apprendre aussi les rudiments de la soudure. Ils font également un peu de plomberie, un peu de menuiserie. Donc, tout ce qui est de base va être capable de s'organiser. L'activité physique, c'est important. Les élèves de la MFR ont de l'éducation physique à leur horaire en 3e, 4e, 5e secondaire à raison d'environ 3 heures par semaine. Donc, on a un gymnase avec toutes les installations nécessaires. Je vous incite à venir visiter la résidence de la Maison familiale rurale des élèves qui déjeunent et tout, et qui couchent ici, qui demeurent ici. Afin de développer les différentes compétences du DEP, les élèves de la MFR profitent de partenaires. Par exemple, en production acéricole, les élèves viennent ici à l'érablière école de Saint-Romain pour apprendre l'entaillage, à faire bouillir, faire des fuites, toutes les opérations pour opérer une érablière. En abattage, on a une forêt également où les élèves se pratiquent. En laitier, une ferme de la région. Et également en équin, un ranch là, pas très loin, où les élèves vont pratiquer les différentes compétences.